J'ai d'autres glosses. Donc, de nouveau, gamme à 1€. J'ai 3 glosses de cette gamme-là. Le raspberry. Qui se présente donc comme ceci. Donc, avec un petit bout. Et donc, il faut en fait tourner comme ceci. Donc ici, il faut tourner, jusqu'à ce que la couleur apparaisse ici en fait. Vous allez la voir, le temps que ça arrive. Hein. Voilà. Vous voyez ? Couleur apparaît par là. Donc voilà, je vais faire un swatch. Hein. Donc celui-là, c'est un espèce de rose rouge comme ça, rose foncé rouge. Vous voyez, là il a une espèce de rose et puis il va vers le rouge comme ça. Donc perfect pink. Donc voilà, comme ceci. Donc de nouveau, on tourne jusqu'à ce que la couleur arrive. Ça ne vient toujours pas. C'est de la merde. Bon. Pour aujourd'hui, c'est pour demain. Moi, je crois que c'est pour demain. Ah, ah, ça apparaît bientôt. Oui. Et ben voilà. Ça, c'est RLF. Hein. Le truc s'est cassé. C'est vraiment de la merde. En même temps, pour 1€. Hein. Mais c'est celui-là que j'aimais bien en plus. Il était trop beau. Bon, désolée. Ce rouge à lèvres est pété. Je ne vais donc pas vous le montrer. Donc voilà, bon, c'était le Perfect Pink. Ensuite, dans cette gamme-là, j'ai celui-là, un espèce de rouge bordeaux, comme ça. C'est le Strawberry. Le Strawberry. J'espère qu'il ne va pas se péter. On verra bien. Donc je tourne de nouveau, c'est le même système. Bon, ben, je crois qu'il est aussi pété que l'autre. J'ai vraiment pas de chance. Désolée les filles, il est de nouveau pété celui-là aussi. Bon, pour 1€, voilà quoi. Bon, voilà. Alors, j'ai une autre gamme de gloss encore. Oui, encore. Qui se présente comme ceci, donc que des roses. J'espère que... Non, celui-là, je pense que ça va aller. Et donc voilà, vous voyez que la couleur apparaît petit à petit. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc je vais faire un swatch. Donc celui-là, donc c'est le Bubble Gum. Le Bubble Gum, il est juste là. Assez neutre, assez clair. Vraiment pour un maquillage de tous les jours. Voilà. Alors après je vous présente le Fairy. Alors le Fairy, donc qui se présente comme ceci. Un rose très clair, pailleté. De nouveau, on tourne. Jusqu'à ce que la couleur arrive, si elle le veut bien sûr. Donc voilà, elle arrive tout doucement, vous voyez. Voilà. C'est celui-là. Donc je vous ai dit un rose plutôt pailleté, très clair. Moi j'aime bien. Très beau, très joli. Alors ensuite nous avons le bar. Le bar qui se présente comme ceci. Un rose qui tire un peu vers le beige. Donc de nouveau on tourne. Jusqu'à ce que la couleur arrive. Qui se présente comme ceci. Donc, voilà. Elle est là. Donc c'est plutôt un doré comme ça, un beige doré.
Très beau. Et enfin, nous avons le Blossom. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, de nouveau, un rose très clair. Je crains que cela ne fonctionne pas. Ah, si. Hop. Donc il est là. Voilà. Très clair. Nude limite. Donc voilà, c'est tout pour cette gamme de gloss. Donc toujours à 1€. Hein. Ensuite, j'ai acheté 2 mascaras. Parce que j'en avais besoin, donc je me suis dit pourquoi pas à 1€, franchement, autant essayer. Donc j'ai acheté ce mascara là, donc à 1€. C'est le Lengthening Defining. Désolée pour l'anglais, franchement, mais voilà. Donc la brosse. Comme ceci. Voilà. De couleur noire. Un autre mascara. C'est le mascara duo. Donc toujours la gamme de 1€. C'est vraiment comme ceci. Donc on a le régular. Et comme ça. Et on a le waterproof, donc, qui est comme ça. Donc on a 2 mascaras, un waterproof et un normal. Donc voilà. Et le dernier petit achat que je me suis fait, c'est le primer. Primer de fard à paupières qui se présente comme ceci, de la couleur Pearl. Donc j'espère que ça va marcher. C'est pour tenir plus longtemps le fard à paupières que vous avez appliqué le matin, qui tiennent jusqu'au soir sans bouger. Enfin, on l'espère. Donc voilà. Je vous présente comme ceci. Il est blanc, nacré. Donc voilà les filles, je vous ai présenté toute ma gamme de rouge à lèvres. Et de fossiles bien sûr, parce que j'en ai acheté beaucoup. Mais franchement ils sont bien, les fossiles, franchement ils sont merveilleux, moi j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Que dire de la commande? Ben, donc j'ai été déjà déçue qu'il manque quelque chose dans ma liste, dans mon petit panier. Mais franchement, c'est pas la première fois que je fais une commande chez ELF, donc il m'est jamais arrivé un truc comme ça, donc ça va. Franchement, c'est pas trop dramatique, je vais dire. Et aussi, faites vraiment très 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 bien attention aux couleurs que vous choisissez, parce que ce n'est pas forcément la couleur qu'il y aura sur le site en fait. Donc comme moi j'ai eu, je voulais un rose, j'ai eu un brun, enfin vraiment, ou le vernis, il était rose pour moi, rose nude. Et j'ai eu un espèce d'orange pêche, donc corail ou je sais pas quoi. Donc franchement faites attention aux couleurs, vous risquez d'être déçus. Mais sinon à part ça, pour 1€ ou 2€, franchement, il faut vraiment pas donner, enfin demander de plus quoi. Sinon niveau packaging... sur les gloves je suis vraiment déçue. Franchement je n'en ai cassé, enfin il s'est cassé tout seul, un ou deux gloves, donc ça c'est un peu dommage, mais bon on va faire avec hein. On va essayer de prendre la matière avec un petit pinceau, c'est pas trop grave. Sinon à part ça, franchement tout est correct. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a surtout aidé. Bisous les filles, à la prochaine, bye bye.